Combien d'heures dure une journée bien chargée? À 23h59. 35 heures. 35 heures, c'est vrai que c'est pas mal en plus. C'est... Bah 52 heures, c'est ce qu'il faut dire. Pour être de l'HQ, il faut dire 52 heures le temps d'un startup week-end. 54 journée. 54. 54. Renseigne-toi, c'est écrit dans ton nom en plus. Et ouais. Ah ouais. Non, je vous félicite. Putain, t'as mal. Putain, laisse. Ok. Non, elle était nulle, c'était. On a perdu quelqu'un. Dans quelle ville allemande? Le mur finalement mal construit s'est effondré en 1989. En Chine? La ville de Chine en Allemagne. C'est là où il y a la muraille. En 1989. J'avais 2 ans. 89. T'avais quel âge? T'avais moins 89. En 89, j'avais moins 3 ans. Moins 3 ans? Ouais. Tu te rends compte? Il y avait un mur en Allemagne de Chine. Quand j'avais moins 3 ans. C'est en Allemagne de Chine. C'est pas vieux, hein? Ouais. C'est mi-sérieux, mi-débile ce qu'on dit, c'est bien. C'est super débile. Quel bruit fait une sirène de police? Man. Ah yes. Très très bien. Très bien. Bien imitation, je... Bien placé, bien placé. Pas ouais. D'après vous, quel serait le projet de start-up de Chuck Norris? C'est What? C'est quoi? C'est un mec, il est trop fort. Il peut tu connais faire. Pas Chuck Norris? C'est vrai? C'est l'arcole. Avec quelle organisatrice aimeriez-vous passer la nuit? Nico, s'il avait un vagin. Quel est votre objet plastifié préféré? Ah, si je le dis. Le burger! Un burger en plastique! Nabila! Oh! Okay. Non. Bien sûr que oui! Ça aurait été beaucoup plus crédible si t'avais pris de l'hélium. Ah, attends! Bien sûr que oui, c'est moi Batman! Tout le monde me regarde. Ben là, ce qu'on peut imaginer, c'est un godmichet connecté, donc tu vas envoyer de la big data sur une colonie de moufettes. Voilà. Et envoyer de la big data sur une colonie de moufettes. Regarde, c'est tu c'est fais ça. Courir les moufettes dans des petits trous. Ah ben, ouais. De façon à avoir de l'énergie green. Ah. Tu alimentes la machine à coudre sur laquelle tu as mis le godemiché, et là, comme ça, t'as un rythme, tu vois. La cadence. Bon alors, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Jérôme Lamour et je suis acteur porno de profession.